Le Ciné-Z. Bonne séance du Ciné-Z. Alors, à tout moment, je peux lancer des cris, hein. Si je sens que ça fait un peu peur. Bon, alors déjà, vous avez vu, on est un peu dans une ambiance fin du monde. C'est un peu le sujet du film. Ah, le voilà, Michel. Notre petit Vincent, avec sa célèbre moustache fine. Le Covid 2022. Une journée de plus à survivre. The last man on earth. Il ne s'est pas écoulé plus de temps que ça depuis que j'ai reçu la terre en héritage. Seulement 3 ans. Mec, ça fait 3 ans qu'il est le seul être humain sur la planète. Je peux dire que t'as le temps de t'en faire des pognettes en 3 ans. Enfin, c'est quoi, c'est de l'ail ça? Je crois que c'est de l'ail, ouais. Ah, c'est des gousses d'ail ça. Alors à la base c'est censé être des zombies. Donc ça c'est sa box Wi-Fi. Apparemment ça va, elle tourne bien. C'est de la 5G. On est en Wi-Fi 6. Il y a Lola qui dit, mais pourquoi il s'habille? Il est seul, le gars. Mais t'as complètement raison. Moi, je serais seul sur la planète, mais je serais à poil tout le temps. Un monde vide, silencieux et mort. Ça fait 3 ans qu'il est là, il a pas touché au canard. Ah, dégage. Oh, le mec, il en a fait un paillasson du gars, en fait. Il s'est suivi les yeux dessus. Ah, encore un petit coup de... Encore un petit coup de die. KOKW à l'écoute. Répondez. Le mec fait de la radio, il a même pas d'auditeur. Ce matin, il me faut sortir chercher du café et du jus d'orange. Il a une croix chrétienne et des gousses d'ail sur sa porte, il a vraiment peur des vampires. Bah ouais, mais il est très con parce que c'est des zombies. Ils ne supportent pas de voir leur reflet. Cela les repousse. Ah ouais, on est vraiment dans en mode vampire. Un nouveau miroir. Oh, le jeu d'acteur. 3 années. Il a pas d'ouvre-boîte. De la moitié de la ville. Le mec, il a plein de boîtes de conserve, mais il a pas d'ouvre-boîte. C'est quand même con, hein. Ah, il se fait un joint géant, là. Là, il se fait un 14 000 feuilles. La drogue, c'est mal, les amis, bien sûr, c'est pour la vanne. Mais quand même, c'est un méga cône, hein. La forme parfaite. C'est large pour empêcher les chiens de se refaire. Avec ça, je vais décoller. Ah, il s'en est fait plein, il s'en est fait plein. C'est vraiment des vampires, en fait. Mais c'est des vampires, c'est fou. C'est fou parce que dans les deux autres adaptations que j'ai vues, celle des années 70 avec Charlton Heston et celle de 2000, je sais pas combien, avec Will Smith, c'est des zombies, on est d'accord, c'est des zombies. Tiens, toi, viens. Allez, viens, ma femme. Tu vas me servir de paillasson. C'est l'histoire vraie de Xavier Dupont de Ligonnès ou quoi? Je crois, oui, il cherche une terrasse à refaire. Il a plus rien, le gars, on le retrouve en dèche totale. Il a plus d'essence, il a plus de gousse d'ail, il a plus de café, il a plus de jeu d'acteur. Ah, il sort ses merdes. Ah, la pauvre actrice. T'as joué dans quel film? J'ai joué dans Je suis une légende. T'as quel rôle? La meuf du début qui se fait têche comme une merde. Ah, le gel hydroalcoolique. Ah, bien le gel, bien. Ah, bravo. Très bien. Bien, Vincent. Après avoir jeté les cadavres. C'est très bien. Ah, de l'ail. Alors, les amis, on résume un petit peu les journées de ce personnage. Il passe ses journées à changer les gousses d'ail et à pécho des miroirs et à mettre des corps dans son coffre. Ça fait des bonnes journées, hein. Et ça fait 3 ans qu'il fait ça. Combien de vampires reste-t-il? On est bien sur des vampires, les amis. Ah. Oh putain. Ah, il a son plan d'herche. Oh, c'est mal fait. Oh là là. Oh, le coup. Ah, mon dieu. Pendant ce temps-là... Le mec, qui dort tranquille. Mais laisse-le tranquille, le zombie. Le vampire, il est en train de dormir à la cool. Je pensais qu'on allait peut-être voir un bon film, mais finalement, je crois pas. Hein. Donc le mec, il sait que les vampires sortent la nuit, mais il met de la musique. Eh bah, il se fait kiffer. Ah bah c'est discothèque, allez, pour les covidés. Ils sont très smart quand même, les vampires, hein, qui ont l'air de zombies. Enfin, je comprends rien, ce film. C'est des vampires qui se comportent comme des zombies. Excusez-moi, mais d'où un vampire, ça marche à 2 à l'heure, comme un zombie? Je veux une binouze. Dégage. Ah ouais, putain, mais ça... Non, c'est pas moi. T'as l'autre, il s'est mis un petit jazz, tranquille sur son canapé, balèque. Et là, s'il avait eu un costume en fleurs, on l'aurait plus vu, comme Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure. Une nouvelle journée commence, et il faut tout recommencer. Oh non, ah non, on va pas recharger les gousses d'ail, les miroirs 2 par 2. Ce serait cool qu'on apprenne qu'il est en fait Alzheimer. Ah, il fait tous les jours la même journée, putain, mémento, oh là là. Et nous, on se tape 1h20 de même chose. Allez, il va refaire un ouinge. Putain, c'est con, j'ai pas une musique de reggae, là. Oh putain, ça va sucer. Hey, t'as pas une petite pièce, s'il te plaît? Allez, s'il te plaît. Pourquoi il est sorti, ce con? Pourquoi il court comme ça? Je sais pas. Oh là là, ils sont sur la caisse.
Oh, ils vont apprendre à conduire. Touchez pas à ma voiture, c'est un modèle unique. Les mecs, ils se cassent la gueule tout seul. Non, non, on ne peut rentrer qu'à une personne à la fois. Oh, la violence. Il avait l'air un peu violent quand même. Tiens, regarde-toi. Rien comme tes chums. Oh là là, mais il s'ajoute tellement mal. Y'a aucune conviction, putain. Alors je sais que quand t'es figurant, tu gagnes pas beaucoup, mais quand même, un minimum. Et je peux rentrer, je peux rentrer. Non. Et moi, je peux rentrer. Non. 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 Oh, regarde, il lui ferme la porte sur le bras. Aïe. C'est Amazon. On a un paquet pour toi. Oh, putain. J'aurais pas dû commander cette poupée gonflable. Orifice titillant et tête pompeuse. Ah, il se fait un petit movie. Il se fait un ciné Z. Alors qu'est-ce qui se fait? Ah là, c'est Inception, les gars. C'est on regarde un gars qui regarde quelque chose. Oh. Ah, il a pas l'air top, ce film. Francis Saul présente. Ah, mais c'est le mec qu'on a vu. C'est le mec qui l'a attaqué. Ah bon? Ah, ouais, je l'ai reconnu. Tu entends, Morgan? C'est abusé. 3 ans de tapage nocturne et je ne peux pas appeler la police, elle n'existe plus. Morgan! 3 ans qu'il m'appelle Morgan alors que je m'appelle Vincent. flashback. À l'époque où il n'y avait pas de zombies vampires. Le monde entier en état d'alerte. En Europe, la maladie est véhiculée par le vent. Putain, le Covid, les gars, on c'est y est. Ça commence toujours de la même façon. Hein. Mais non, ça ne viendra jamais chez nous. Agnès Buzyn. Mais non. Je suis un scientifique, pas un alarmiste. Et toi, tu regardes les morts s'entasser. Pourquoi ils ont une voix... Ah oui, parce que c'est censé être un flashback. Alors, pour nous faire comprendre que ça se passe dans le passé, forcément, t'es obligé de mettre de l'écho sur la voix. Il a raison, Thierry Moreau, il dit en vrai, il ressemble à Walt Disney avec sa petite moustache. Mais carrément, je pense que ça devait être la mode de l'époque, la petite moustache comme ça. Parce que la carrée, elle a fait moins de... moins d'adeptes. Mais moi, dans les remakes que j'ai vus, le mec cherche un... Il travaille sur un virus quand même, sur un contre-virus, sur un antidote. Lui, à part rien foutre, bah il faut rien. Ouh, elle t'a... Ok, c'est la patiente zéro, c'est elle qui a commencé. Tout est parti d'elle. Oh, la gastro. J'aurais pas dû bouffer le couscous d'hier. Comment peuvent-elles proliférer dans des conditions pareilles? Non docteur, excusez-moi, vous êtes trompé, ça ce sont mes spermatozoïdes, je faisais une expérience. Je vous donne le bon flacon. Est-ce que ce bacille est oui ou non présent dans le sang de toutes ces personnes? Ce bacille est-il boli? Van de foot. Je viens d'arriver. Ah putain, j'ai flippé ma race! Ah, j'ai eu une peur de tous les diables, mes amis. Nous continuerons donc à vous informer 24h. J'ai appuyé sans faire exprès sur le bouton mute de mon micro et donc t'as le potard qui est descendu d'un coup sur mon doigt. Et j'ai senti un truc, je crois que c'était une bête. Au vu de la situation et après en avoir des... Je vais appeler un docteur. Bonjour, je suis le docteur Martin. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Mais quoi, elle voit plus rien, elle est devenue aveugle. Maman, je suis extrêmement mal doublée. Alors... On s'est acquitté les premiers coups, non? Elle aussi commence à avoir les symptômes. Premier symptôme, tu bouges pas le cul de chez toi et t'es en robe de chambre toute la journée. On dirait l'intro de The Who quand elle crie « Je suis mort ». Lequel de morceau? Ah oui, je vois. Les experts. Allez les amis, c'est parti pour les experts à Miami. Oh merde, la petite s'est transformée en ourson, le mec a rien compris au film. La petite s'est transformée en lapin, en peluche. Ah putain, c'est autour de la femme. Virginia. Mais moi je te vois encore, pourquoi c'est moi qui te vois, merde. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir des bons yeux? Elle est morte? Je crois qu'elle est morte. Ah putain, c'est radical, c'est assez... c'est bref quand même, tu vois plus, tu meurs. Bah, je fais des vannes, mais j'oublie de suivre le film à un moment donné. Ouvre-moi... La boîte à caca. Qui est là? Bonjour, c'est Olivier de Kerglas. Morgan. On va te tuer, Morgan. Mais Morgan. Non. Mais non. Je vais bien m'occuper de toi. Voilà, tout va s'arranger, je vais bien m'occuper de toi. J'ai pas réussi à sauver ni ma femme, ni ma fille, mais toi, je vais bien m'occuper de toi. Vous préférez me suivre ou affronter les vampires? C'est bien que t'as les cheveux qui sont pris dans le sapin, madame. Je sais pas si c'est votre cheveu ou si c'est le sapin. Ça vous fait une peu coup, madame. Un palmier sur la tête. Oh, moi, je peux bloquer sur des détails à la con comme ça et rire pendant 2 heures. Peut-être que je suis l'élu. Néo. Ah, le mec, c'est Néo, quoi. Il est dans la matrice. Ah, il en sent là. Il en sent là. Il va lui mettre autour de la tête. Le plus beau cadeau qu'un homme puisse faire à une femme. De l'ail. Est-ce qu'il va oser se regarder dans le miroir? Il évolue.
Alors, je vous rappelle normalement, les amis, que le mythe du vampire, c'est juste qu'il ne voit pas son reflet. À aucun moment, il flippe de se voir dans un miroir. Attendez, c'est quoi ces conneries? Ruth, éloigne-toi d'elle! C'est ma meuf! Ah, ils vont croire que c'est un zombie. Attendez! C'est pas ce que vous croyez, arrêtez! Ah, ils vont croire que c'est... Ah, ils vont le tuer! Ils vont le tuer! Ils vont croire que c'est un vampire, ils vont le tuer! Attrapez-le! Oh putain, bout portant! Et putain, pourquoi ils veulent se débarrasser de Robert, qui s'appelle... Morgane. Alors les armes à feu marchent, bah bravo, le mec roule des pieux depuis 3 ans. Ça sent la fin de merde. Hashtag ça sent la fin de merde. Vous n'êtes tous que des monstres, des mutants. Ah, sacrée insulte. Ah, joli. Attendez, il m'a sauvé la vie. Trop tard, j'ai lancé mon pic. Moi, je suis un homme. Un homme. Un homme. Ah, ils ont cru que c'était un vampire, en fait. Mais oui. Allons, ne pleure pas, mon bébé. Il n'y a plus de raison d'avoir peur. Oh là là, le cri insupportable de l'enfant. Oh. Faites des gosses qui disent. Qu'est-ce que c'est que ces fins à la mort moelle-neu, mon Dieu, putain. J'ai encore rien suivi à l'histoire.